L'idée de cette collection BIC a été initiée à la fin des années 1990. En 1998, a eu lieu une rétrospective, une exposition rétrospective sur la vie de Marcel BIC au château du Sel en Vallée d'Aoste. Marcel BIC avait œuvré pour la rénovation de ce château et pour lui rendre hommage et le remercier d'une certaine façon, la région a décidé de raconter sa vie, de parler également de l'entreprise qu'il avait fondée, BIC, lors de cette exposition. Et puis les organisateurs ont eu l'idée d'intégrer dans le parcours de l'exposition des œuvres d'art qui avaient été faites en ayant recours au stylo à billes, BIC, par des créateurs de tous horizons. Et c'est vraiment ça qui a été le point de départ dans la prise de conscience familiale, mais également la prise de conscience de l'entreprise, qu'il y avait un mouvement et que le stylo à billes était source d'inspiration pour bon nombre de créateurs et d'artistes. En 2019, s'est achevé un gros travail de rénovation ici au Château de Ferrand. Les travaux ont été réalisés par Patrick Join et Sanjit Mankou. Et lors de cette rénovation, s'est posée la question de la représentativité de l'ADN de la famille propriétaire de Ferrand dans l'espace du château. A été trouvée l'idée d'une fresque, une fresque réalisée au stylo à billes sur les murs du salon de dégustation BIC en utilisant simplement 7 stylos à billes. Cette fresque a été réalisée par l'artiste Alexandre Doussin et elle représente la propriété aux 4 saisons. Donc ce château de Ferrand a été acquis en 1978 par Marcel BIC et les propriétaires, la famille propriétaire, par l'installation d'une collection, entend, si vous voulez, transmettre l'ADN, transmettre également l'histoire industrielle, son histoire industrielle, par ses œuvres d'art. Ça a également été le point de départ d'autres actions que nous menons autour de l'art et de la culture, et notamment cette exposition qui est actuellement présentée dans le chai à barrique du château, qui est une exposition faite conjointement avec le musée de la création franche de Bègles et qui permet d'aller encore plus loin dans l'expression de cette créativité, de cette forme de spontanéité que permet l'utilisation du stylo à billes. Cette initiative d'exposer certaines œuvres du musée de la création franche de Bègles a été le fruit d'une rencontre. Donc, la rencontre de Hélène Ferbos et de l'équipe très talentueuse du musée de la création franche. Lorsque nous avons été à la rencontre de ce musée, nous avons découvert la très grande collection d'œuvres qui sont faites au stylo à billes, puisque dans leur fonds d'œuvres de 20 000 œuvres, il y a plus de 1200 œuvres qui sont réalisées au stylo à billes. Nous nous sommes posé la question de comment exposer ces œuvres, dans quel contexte. Puis nous avons trouvé finalement l'endroit qui se prêtait très bien pour cette exposition, et c'est le chai à barrique du château, qui est finalement un lieu très atypique, très original pour une exposition. Il n'est pas destiné à accueillir des œuvres d'art. Et pourtant, ça fonctionne très bien avec le côté quelque peu marginal, quelque peu atypique des œuvres qui sont présentées. Dans cette exposition, L'humble BIC, qui est présentée jusqu'au 31 août dans les chais du château de Ferrand, nous présentons 62 œuvres de la collection. Donc, il a fallu faire une sélection assez resserrée sur les 1200 œuvres que compte la collection faite à partir de stylo à billes. Le choix qui a été fait, c'est de montrer toute la richesse de cet outil. Qui pouvait être outil d'incision, de précision, mais aussi d'explosion de couleurs. Et donc, on a choisi les œuvres selon ce premier critère, bien sûr, de représentation de l'outil, de richesse de l'emploi de l'outil, mais également, on a sélectionné selon... Hélène Ferbos, qui est la directrice du musée, fait une sélection selon les créateurs aussi présentés, à la fois des acquisitions plus récentes. On a Carl Baudelaire,
qui est rentré plus récemment dans la collection, qui lui utilise exclusivement le stylo à billes dans ses œuvres. C'est, il fait des autoportraits, ce qui est le cas ici. Ce sont avec une technique qui lui appartient complètement, qu'il a inventée. Et pour lui, la découverte du stylo de ce médium-là a complètement révélé sa création. En fait, pour lui, c'est une évidence que c'est le stylo qui aujourd'hui accompagne sa main. Tandis que nous avons Jean-Louis Kougoulou qui lui va utiliser le stylo à billes, l'encre en fait du stylo, même plus la pointe, la mine, mais l'encre qui est dans le réservoir pour en faire comme une peinture sur toute la surface. Et là aussi c'est un créateur qui n'utilisera exclusivement que du stylo à billes tout au long de sa vie. Tandis que pour certains créateurs, comme Pierre Albasser, Bruno Montpied ou encore Jean-Louis Cerisier, on a plus à faire aussi au départ à des œuvres un peu de jeunesse. Ils ont débuté leur création grâce avec en tout cas le stylo à billes, et parce que c'est ce compagnon, comme je disais, un peu de l'urgence, de l'immédiateté qui est présent, qui est là dans notre quotidien et qui permet en fait de commencer parfois la création plus facilement aussi. Et aujourd'hui, ils ont pu aussi, je ne dirais pas évoluer, mais changer aussi, à aborder d'autres matériaux. On a du stylo avec David Braillon, qui est un outil de la précision, presque dessin technique, tandis que parfois, il va être outil de la force, de l'incision, il va créer du relief sur les œuvres, comme les œuvres de Ted Gordon. Ça peut être cet outil aussi de l'écriture premier qui le reste, comme pour les œuvres de Viviane Van Melkebeck, qui a créé une écriture puisqu'elle ne sait ni lire ni écrire, pour, je cite, apprendre aux enfants à lire, et ça devient une graphie incroyable. Donc toutes ces œuvres autour dans cette exposition témoignent d'une grande, grande, grande créativité, et le stylo vraiment accompagne à la perfection cette créativité. Le stylo à billes est surreprésenté dans les collections à la fois du Musée de la Création Franche, mais plus largement dans l'art brut, puisque c'est un outil du quotidien, c'est un bon compagnon, on a toujours eu un stylo à portée depuis toujours. Dans la vie de chacun, en fait, c'est un outil un peu de l'intime, il parle à tout le monde. Bon, d'abord, c'est un outil qui était dédié à l'écriture, mais on se rend vite compte que tous, on a utilisé un stylo pour griffonner, les fameux petits griffonnages. Et les artistes ont vite et tout à fait compris que ça pouvait être un outil au service de leur créativité. Pourquoi particulièrement au Musée de la Création Franche et dans l'art brut ? Parce que c'est cet outil de l'immédiateté, de la spontanéité, et ça c'est complètement en adéquation avec ce type de création. C'est un outil qui est simple, facile en fait, qui est bon marché aussi, qui est complètement démocratique. Le Musée de la Création Franche explore en effet les territoires de l'art brut, de ce qu'on appelle les apparentés, donc l'art naïf et l'art populaire. Qu'est-ce que l'art brut ? Alors déjà, c'est une notion qui a été inventée par Jean Dubuffet, le peintre et collectionneur français Jean Dubuffet, en 1945. Il entendait par là réunir des travaux de personnes dites indemnes de culture artistique, des autodidactes, dont les ouvrages sont éloignés des circuits culturels, académiques. L'art brut, c'est trop libre, hors cadre, hors norme, pour être défini en quelques mots. Et même le tenter de le définir, en fait, ça serait peut-être aller à l'encontre même de ce qu'est l'art brut. Et il est tellement inclassable qu'il se dérobe à toute tentative de définition. Par contre, il y a des caractéristiques qui permettent de mieux appréhender ce qu'est l'art brut. En premier lieu, j'en parlais juste avant, le caractère autodidacte des créateurs. Donc, ce sont des créateurs qui ne font pas, en vue d'une reconnaissance, de montrer leurs travaux. Ils créent beaucoup dans l'intimité et cherchent avant tout à se faire du bien en créant. C'est le simple fait de faire qui les anime.
Donc, ils vont être dans une totale spontanéité de création. Ils ne se soumettent pas à des normes, des codes. Ils inventent en fait leur propre code, leurs propres normes, ce qui fait qu'ils vont jouir d'une grande, grande inventivité, à la fois dans les formats, dans les matériaux, dans les supports qu'ils vont employer. Ce sont des créateurs qui sont conduits quand même par de grosses impulsions créatrices. C'est presque tripal, on va dire. Il n'y a pas du tout de concept à l'œuvre, d'idée qui accompagne les œuvres. Encore une fois, c'est le fait de faire dans l'instant. C'est pour ça que ça va aussi parler beaucoup plus à l'émotion, faire appel à l'émotion qu'à la connaissance.